مس إبراهيم مرات انت ذا نغلف ام لاي انت جدو ذا مس مرات ذا شيني غزول فلاك صباح الخير سامع يسول فنقلتي من قبل على ربنا ربي وتي سنات فوزيت لو ميدياتور دو لا ريبوبليك مي خصي دو نو زونوري دو فوتر بريزونس اون ديريكت سور لي زون دو لا راديو شين 2 تلميذ تمبرا تيمي تقبلو من على ربنا ربي وتي سنات هي مس مرات تي كيبدو كان كي ديال غسريد حكيتيني دا من ناي في تي كيبدو دار الجزائري تاطاش قبلان يقبغانا في السنين الكلفة دو مكان نتسود دارو من ناي للخير نبغى مس مرات تسفهمو دي ويتي دي سنين القيمة غيك ساعة لقديش هاكي غنوال وي تو صافي Monsieur le Président de la République, lors de la dernière réunion qu'il avait tenue avec, dans le cadre un petit peu de la conférence sur l'industrie, sur l'investissement, donc il avait ordonné à tout le monde à agir de manière à débloquer des situations qui sont, le mot que l'on peut dire, fort nombreuses à un niveau et à un autre. Souvent pour un petit quelque chose, on bloque tout un investissement. Et on bloque avec donc, la création d'emplois, on bloque avec la création de richesses. Donc, il a fait son constat. Il l'avait déjà fait auparavant lors des réunions avec le gouvernement, avec les Wali. Il l'a fait plus d'une fois lors de ses interventions. La dernière fois, il était très catégorique. Ben, il, en plus de, donc, du fait qu'il ait fait donc, toucher du doigt un petit peu, disons, ce mal qui bloque un peu l'économie algérienne. En l'occurrence, la bureaucratie, les entraves qui n'ont aucune raison. Donc, il avait, en séance tenante, il m'avait chargé donc, de ce dossier, de le suivre. Bien sûr, en relation avec les membres du gouvernement et avec surtout les Wali, de façon à débloquer ces situations. Nombreux sont les dossiers, du moins dans un premier temps, que nous avons recensé. Il y a plus de 400 dossiers qui sont fin prêts. Construits, les équipements installés, les process techniques installés, et qui ne gagnerait qu'à être tout simplement autorisé pour entrer en exploitation. C'est pourquoi précisément, tenant donc mon pouvoir du sien, je suis placé sous son autorité directe. Il l'a rappelé d'ailleurs, son autorité directe, il l'a rappelé. Donc tenant son pouvoir, tenant mon pouvoir, disons à moi, du sien, donc je dois agir de façon à débloquer ces situations. Des réunions ont été tenues avec le ministère de l'Industrie, des réunions, des correspondances ont été échangées avec monsieur les Wali. Nous sommes en train de recenser ces... Vous avez commencé déjà, monsieur le maire. Nous n'avons pas attendu. Et hier, nous avons effectué la première visite. Après donc la tenue de cette réunion au niveau de la ville de Bangladesh, où il y a un nombre considérable de dossiers, où nous avons trouvé que les autorités locales avaient déjà entamé le travail. Ils ont donc serré les problèmes à un niveau et à un autre. Et nous sommes revenus avec la satisfaction de voir quelques usines enfin entrer en production. Il s'agit donc d'une usine produisant le ciment col qu'on importait en grande partie. Il s'agit de biscuiterie, chocolaterie également qui exporte maintenant, qui exporte et qui, au niveau d'autres unités et qui demain va encore exporter davantage. Maintenant, il réalise, disons, en exportation 10 millions de dinars. Demain, il va réaliser certainement 25 millions de dinars avec la mise en fonction de cette usine que nous avons visitée hier. Sur place, nous lui avons donné donc l'autorisation d'exploiter. Nous avons débloqué des situations en ce qui concerne le permis de construire, le permis de l'expansion au niveau de certaines autres usines. Donc, il y a une certaine dynamique. Cette même dynamique qui est observée au niveau des autres wilayas. Nous avons 400 dossiers, 402 dossiers exactement, à débloquer d'ici la fin de l'année. Et il y en aura autant, certainement, parce que ce n'est pas tout à fait le nombre. Il y en a certainement bien davantage, mais bon, notre objectif, c'est de débloquer la situation de ces 402 dossiers dont on a parlé, monsieur le président de la République, et demain, certainement, on débloquera certains autres. L'année, maintenant que le président a terminé le processus, agissant dans le cadre des processus politiques, l'édifice institutionnel. Il va terminer avec les dernières élections que nous avons conduites, locales. Maintenant, il va s'atteler essentiellement à l'économie. Il faut absolument qu'il y ait relance de l'économie. Sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Sans cela, il n'y aurait jamais de création d'activité à proprement parler, en amont, en aval.
il faut créer cette dynamique, il faut créer de l'emploi. C'est cela qui va sauver l'Algérie, j'estime.